Je maîtrise pas encore très bien le vol et je maîtrise pas encore très bien l'atterrissage non plus. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de deux livres qui ont littéralement changé ma vie. Oui, parce qu'en fait depuis que je l'ai lu, j'ai 2-3 petits effets secondaires qui sont un petit peu pas de saison. J'arrive à me transformer en chauve-souris notamment, donc c'est assez bizarre. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de deux petits bouquins, petits, pas par la taille, hein, qui sont dans une collection, justement hors collection de chez Glénat, tous les deux dessinés par Georges Besse, et en fait ce sont des adaptations de grands classiques du fantastique, notamment gothique et néo-gothique. J'ai voulu parler de Dracula, voilà, et également, alors celui est un peu plus lourd et un peu plus difficile à manier, Frankenstein. Donc là vous avez les deux éditions disponibles. Alors Frankenstein, je le recule un peu, il est disponible, là c'est l'édition Prestige, donc c'est l'édition ultime pour tous les fans, de la BD de Georges Besse. Et vous avez ici le Dracula en édition, lui par contre, alors je vais baisser un peu pour qu'on voit bien, voilà, le dessin. Lui en édition donc définitive, donc c'est pas l'édition encore collector telle que peut l'être le Frankenstein. Si j'ai voulu vous parler de ces BD aujourd'hui, c'est parce qu'en fait elles sont absolument magnifiques. Les dessins sont superbes. Alors Georges Besse, c'est un grand dessinateur, très inspiré notamment par Moebius, donc en fait tout est fait à la plume, quasiment sans ombrage. Alors surtout sur le Frankenstein, parce que sur le Dracula en fait c'est pas tout à fait le cas. Je vous montre donc des illustrations absolument superbes. Des dessins vraiment absolument magnifiques. Et en fait, il a adapté donc l'histoire de Bram Stoker et l'histoire de Mary Shelley dans deux BD. Donc c'est l'occasion en fait de retrouver l'univers de ces écrivains. Mais pour ceux qui n'aiment pas la littérature classique ou pour qui c'est un peu ennuyeux, et ben c'est l'occasion de la retrouver en BD. Tout à la plume, avec un trait extrêmement précis. Donc tout ça c'est paru chez Glénat. Je sais qu'il est bientôt l'heure de Noël, et ça peut être un excellent cadeau pour tous ceux qui sont fans de Mary Shelley ou de Bram Stoker. Parce que au-delà donc des superbes illustrations de Georges Besse, on retrouve vraiment l'histoire telle qu'elle est racontée dans les romans. Alors sauf pour Dracula où il y a 2-3 petits changements par rapport à l'histoire. Notamment le fait que l'un des personnages principaux ne meurt pas à la fin, comme c'est le cas dans le roman de Bram Stoker. On ne va pas être plus royaliste que le roi, moi les deux éditions m'ont extrêmement plu, voilà, et donc je suis ravie de vous les présenter aujourd'hui. Donc si vous aimez Mary Shelley, eh ben jetez-vous sur Frankenstein. Donc la même édition hein, que Dracula existe aussi pour ce Frankenstein, si vous voulez pas avoir un gros livre comme ça. L'illustration de couverture est aussi magnifique, mais il est plus petit, voilà, c'est la différence, et il pèse peut-être un petit peu moins lourd. Quant au Dracula que vous avez ici, donc il existe aussi en édition collector comme l'autre, hein. Mais vous avez ici là, donc l'édition simple on va dire. Cela dit, ce qu'il y a de bien dans cette BD, c'est qu'à la fin vous avez l'invité de Dracula qui est disponible. Donc l'invité de Dracula en fait c'est un texte inédit à Bram Stoker qu'il avait écrit pour être le premier chapitre de son roman et qui n'a jamais été inclus dans l'édition originale du roman. Il est sorti en fait après sa mort, sa veuve a permis en fait l'édition de ce texte qui a été rajouté à l'édition de 1914 je crois. Donc c'est un texte connu hein, mais du coup que Georges Besse a également adapté à la fin de la BD en petit bonus. Et il a également inclus quelques pages de crobards, de croquis, d'esquisses de son travail sur Dracula. Ce sont deux éditions absolument magnifiques à vous procurer absolument pour Noël, pour tous ceux qui aiment ce genre de BD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, ah, désolé, c'était pour moi ça. Bon bah du coup, il faut que j'y aille, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.